Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau haul action un petit peu différent cette fois-ci, un petit peu prise par le temps. Je ne sais pas vous faire la vidéo comme je la fais habituellement, donc j'ai décidé cette fois-ci donc de filmer de cette manière-ci. À la fin de la vidéo, je vous ferai un mini room tour de la déco de Noël, car en arrière-plan là ça ne se voit pas très très bien. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite. On va commencer simplement par la nourriture. Donc en premier, j'ai repris ceci. Ce sont les petits biscuits de Noël. La dernière fois, je n'avais pas trouvé ceci. J'avais trouvé que les petits sapins. Cette fois-ci, ceci était là. Donc voilà. J'ai du coup évidemment repris également les petits sapins. Ou comme vous le verrez, nous n'avons pas résisté. Le paquet est déjà ouvert. Et donc, ces petites gourmandises de Noël sont à 1,19€ le paquet. Toujours en nourriture, un basique également. J'ai repris des petites boîtes de nouilles comme ceci. Je les trouve meilleures, enfin tout le monde les trouve meilleures en fait à la maison dans les petites cups comme ça en plastique par rapport à ceux qui sont en sachet. Bizarrement, ils n'ont pas le même goût. Et donc les petites cups comme ceci sont à 49 centimes et j'en ai pris deux. Ensuite, pour le réveillon de Noël, ils ont rentré, enfin je suppose que c'est pour Noël, ils ont rentré des petites bouteilles comme ceci. Oups, la deuxième ne se voit pas fort bien, voilà, d'olives. Donc j'en ai pris un premier, ce sont des olives vertes. Et j'en ai donc pris un second qui n'est pas bien apparu à l'image, qui sont des olives noires. Ça a une contenance de 60 grammes et c'est 69 centimes le petit pot. Pour terminer avec la nourriture, toujours dans les classiques, pour ceux qui me suivent, vous commencez à savoir que nous sommes fans de cette petite sauce à l'oignon qui a une contenance de 500 millilitres et qui est à 1,39€. Voilà, c'est tout pour la nourriture. Nous allons continuer d'abord avec ce qui n'est pas hyper intéressant. Donc je vais dire la catégorie produits et la catégorie divers. Donc j'avais besoin de produits pour nettoyer les toilettes tout simplement. J'ai pris celui-ci pour tester. Je ne l'ai encore jamais utilisé. 79 centimes. J'espère que ça fera son job. Toujours dans les produits, ceux qui me connaissent maintenant aussi bien le savent. Je ne vais pas à chaque fois trop redéblatérer là-dessus. Ce sont les petites lessives de la gamme Vanish, donc de la marque Ava, ou bien 15 lavages. Et comme je le dis à chaque fois, je suis vraiment fan. Donc on a repris un bidon pour les lessives couleur. Voilà. Et pardon, c'est le blanc que je viens de vous présenter. Et on en a également repris un pour la lessive couleur. Donc 2,29€, c'est le même prix pour les couleurs et pour le blanc. Ensuite, nous avions besoin de petits bâtonnets cocktail. Donc ils vendaient ceux-ci. C'est 2 fois 500 pièces dans des petits composants en plastique. Donc voilà, 2 fois 500 pièces pour 0,79 centimes, ça valait la peine. Alors, on va rester dans le domaine des toilettes. Ceux qui me suivent savent également, on a repris ces petits blocs-ci. Ce sont les blocs de la marque Superfine à 79 centimes pièce. Voilà, super, ça sent bon, fort, le propre, génial. Par contre, il y avait ceci que je n'ai jamais testé de chez Action. Je les ai vus par contre passer dans plusieurs halls. Apparemment, ils sont bien. Donc j'ai pris deux paquets de ceci. Ce sont les petits blocs bleus donc pour mettre dans la chasse d'eau. Je vais tester. Je reviendrai dessus par la suite. Donc deux paquets comme ceci et c'est 52 centimes le paquet. J'ai également repris ceci. Donc tout simplement un petit allume-gaz. Donc rien de spécial. Je trouvais le look plutôt sympa. Il fonctionne bien. Voilà, rien de spécial, 69 centimes. Ils ont rentré, le gel est en train d'arriver, ils ont rentré les protections comme ceci, donc pour mettre sur les pare-brises. Voilà,
Apparemment, les dimensions font 1,44 m sur 1,45 m avec 70 cm de hauteur. Ça se présente comme ça. Bon, la couleur habituelle. Voilà. Et c'était 1,59 €. Ensuite, je me suis tout simplement repris une petite bougie Airwick. La senteur, c'est brise d'été. Voilà, je trouve que rapport qualité-prix, elles sont vraiment géniales. Donc 1,69 € la bougie. Ensuite, des petits élastiques à cheveux. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ce sont les petits élastiques torsadés. Je n'ai jamais testé, j'avais envie d'essayer. Donc ben voilà, j'ai pris pour tester tout simplement 1,52 €. Pour terminer avec la catégorie d'hiver, ils avaient en promo cette semaine pour les fêtes les collants comme ceci. Vous savez, c'est les collants qui sculptent en même temps, qui ont un effet gainant, tout simplement. Bon, généralement, les plus connus sont ceux de la marque DIM. Mais bon, ici, Action les a fait, je vais les tester. Ça tombe à pic pour les fêtes, 2,89 €. Voilà, c'est terminé pour la catégorie d'hiver. Je pense que nous allons maintenant enchaîner avec tout ce qui est scrap. Donc pour continuer, tout ce qui est scrap et donc crayon, loisirs, créatifs, comme je vous l'avais déjà dit, je pressens que Père Noël va normalement m'amener ma machine de découpe et d'embossage. Donc en prévision, bien voilà, ils ont toujours des plaques d'embossage, pardon, et de découpe chez Action. Donc j'ai craqué déjà pour celle-ci avec les petits hiboux, les petits oiseaux. Je vous montre le dessin à l'arrière. Voilà, ça se présente comme ceci. Je ne sais plus, j'ai dû chercher après les grandeurs, si je ne me trompe, je pense que c'est 11,5 sur, je ne sais plus, et je ne le vois pas indiqué. Enfin, en tout cas, je la trouve vraiment, vraiment splendide. Ça embosse et ça coupe en même temps. Et ce modèle-ci était à 1,79 €. Pour continuer avec les plaques d'embossage et de découpe, j'ai également craqué sur celle-ci qui elle est en 11,15, ça c'est sûr, c'est marqué dessus. Donc c'est la fameuse plaque qu'on a déjà vu passer un petit peu partout avec la forêt, les petits lapins, les petits oiseaux. Donc c'est du 11,15. Je vous montre le dessin à l'arrière qui est directement plus parlant. Voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser et la tester. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Même format, j'ai pris celle-ci. Donc, où là, c'est avec les petits papillons, le petit cadre au milieu. Également, les petites feuilles. C'est toujours du 11-15. Je vous montre le dessin à l'arrière. Voilà. Et donc, ces modèles-ci sont à 1,99 €. Ils ont rentré pas mal de washi tape. J'ai été très raisonnable cette fois-ci. J'ai uniquement pris celui-ci. Donc ils sont déjà en train de préparer apparemment la Saint-Valentin. Donc il y a 3 rouleaux de 3 mètres sur 15 mm. Et donc ce lot de 3 washi tape est à 79 centimes. Ensuite, qui dit machine de découpe dit avoir besoin de cardstock. Donc j'ai craqué pour ceci. Donc c'est du cardstock tout simple, j'ai envie de dire. C'est du 200 grammes. Et dans le paquet, vous avez toutes ces couleurs-ci. Voilà, j'espère que le focus va se faire. Et donc elles font 27 cm sur 13,5. Et pour terminer cette fois-ci avec les loisirs créatifs, comme d'habitude, des petites plaques de stickers. Cette planche de stickers-ci. Ça, c'est le premier côté.
et le deuxième côté qui se présente comme ceci. Donc un modèle très floral, plutôt des plantes, mais bon voilà. Plantes, cactus, petit terrarium, j'aimais beaucoup. Ça, c'est pour la première planche. La deuxième planche, c'est celle-ci. Donc, plus sur le transport, les petites lettres, cadres, la petite voiture là au-dessus, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Et l'autre côté, comme ceci. Voilà, c'est terminé pour les loisirs créatifs. Nous allons maintenant enchaîner avec peut-être la partie la plus intéressante. C'est la partie 2-3 petites choses de déco de Noël et les derniers cadeaux. Donc pour rappel, tout ce qui est cadeau, je ne vous donnerai pas les prix, ne sachant pas qui est susceptible de passer sur mon haul. Je vais vous montrer ça, pardon, tout de suite. Voilà, commençons tout de suite. Donc qui dit Noël, dit forcément petit cadeau ou gros cadeau et donc emballage cadeau. Je pensais retrouver des petits sacs que j'avais déjà achetés au préalable, mais au magasin où j'étais, je n'en ai plus trouvé qu'un seul de sympa, donc je me suis rabattue sur les papiers cadeaux ordinaires. Donc en craft, j'ai pris ce modèle-ci. Si le focus pouvait se faire convenablement, ce serait cool. Voilà. Donc les papiers craft sont à 69 centimes le rouleau et eh bien c'est 70 cm sur 3 mètres. Donc ça c'est le premier modèle. Le deuxième modèle en craft, j'ai pris celui-ci. Donc c'est le même prix, ce sont les mêmes dimensions. J'ai ensuite craqué sur des modèles holographiques qui eux sont à 87 centimes. Le premier est noir, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est pailleté également dans le fond. Et les dessins sont holographiques, donc 87 centimes. Et au niveau de la taille, ici c'est 70 cm, mais sur 2 mètres. Dans le modèle holographique, j'ai pris un autre modèle d'une autre couleur. Mais celui-ci, je m'en suis déjà servi. Donc les motifs sont comme ceci. Mais ce sont les mêmes dimensions et le même prix que le noir. Le seul petit sac que j'ai encore trouvé de disponible, c'est celui-là. Voilà, et ils sont à 42 centimes. Alors, toujours pour Noël, je vous ai montré dans le haul précédent, j'avais acheté des petits photophores pour mettre sur la table le soir du réveillon. J'en avais pris deux, mais je trouvais que tout compte fait, ce n'était pas suffisant vu que ma table est assez grande. Donc j'en ai tout simplement repris un troisième avec dedans une petite bougie toute simple. Ils sont à 89 centimes. Voilà, et dernière chose, Noël en tant que tel. Pour terminer, le sapin que vous voyez en arrière-plan, je n'avais pas encore de cheveux d'ange, donc j'ai racheté un petit sachet de cheveux d'ange à 59 centimes. Eh bien, nous allons continuer, enchaîner et terminer ce haul avec les derniers petits cadeaux de Noël que j'ai achetés. Je suis à vous, tout de suite. Au niveau des cadeaux de Noël, heureusement, j'ai encore trouvé certaines choses, mais honnêtement, en tout cas, le magasin où je vais, il y a énormément de coffrets déjà qui n'étaient plus disponibles, en rupture de stock, etc. Donc voilà, comparé à il y a une dizaine de jours quand j'y étais, il ne restait plus grand chose, mais il ne me manquait plus grand chose non plus comme cadeau, donc j'ai trouvé mon bonheur. Donc tout d'abord, en cadeau, j'ai pris ce coffret-ci. C'est une eau de toilette et une crème pour le corps, pour homme, de la marque Vidensen. Voilà, je ne connais pas, mais on a senti au magasin et ça sent très bon. Ensuite, c'est une partie de cadeau. Bien sûr, la boîte sera remplie. Voilà, tout simplement, c'est pas nouveau, ça chez Action. La petite boîte à thé qui se présente comme ceci. Comme ceci. Et je vous montre l'intérieur. Voilà, vous avez 6 compartiments. Toute simple,
Mais bon, voilà, il y a plusieurs modèles, mais moi j'ai beaucoup aimé ce modèle-ci. Ça fait partie des loisirs créatifs, mais ils seront pour offrir. Donc voilà, j'ai pris cette boîte de marqueurs à alcool-ci avec ces coloris-là. Et une deuxième boîte, je la mets à l'endroit, voilà, avec ces colors ici. Donc une boîte dans les verts, une boîte dans les roses. Alors ceci apparemment est un très bon plan. Je ne connaissais pas, c'est pour offrir à la petite fille d'une de mes amies. Apparemment cette marque fait fureur chez les petites filles, la marque LOL. Et bah, apparemment, rapport qualité-prix chez Action, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, ici, c'est une petite étoile surprise. Vous pouvez choisir, en fait, il a inscrit sur les étoiles ce qu'il y a dedans. Ici, moi, j'ai préféré avec les bijoux. Il y avait aussi avec du make-up et une troisième sorte. Honnêtement, je ne sais plus vous dire. Mais bon, voilà, rapport qualité-prix, ça vaut la peine. Toujours des petits suppléments de cadeaux à offrir. Ce n'est pas nouveau non plus chez Action. Les petits œufs Disney comme ceci. Donc j'ai pris celui de la Reine des Neiges. Et j'ai pris le deuxième sur les princesses. Voilà pour les petits œufs. Ensuite, toujours pour enfants, ce petit coffret-ci. Donc au niveau coffret enfant, là c'était vraiment la razzia et l'hécatombe, mais moi j'ai trouvé celui-ci. Et pour les petits garçons, si je ne me trompe pas, il restait le modèle Bob l'éponge. Mais bon, voilà, je trouvais celui-ci vraiment super mignon avec les schtroumpfs. Voilà. Et dernier article de ce haul, et par conséquent, dernier cadeau, un petit puzzle comme ceci. C'est un puzzle qui fait 99 pièces. C'est à partir de 5 ans. Et c'est également la Reine des Neiges. Comme vous l'aurez compris, j'ai une petite fille à gâter qui est fan de la Reine des Neiges. Et bien voilà, ce petit haul est terminé. Encore mille excuses pour la présentation de ce jour. Et comme promis au début, je vous fais en vitesse un petit zoom sur mon sapin de Noël. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche si vous voulez être averti des vidéos qui sortent. Je vous affiche par-ci ou par-là, comme d'habitude, mon compte Facebook, mon compte Instagram. Et normalement, tout bientôt, pour celles qui me suivent en règle générale sur la chaîne, je ne fais pas que des hauls actions, je fais également des vidéos belettes. Normalement, je devrais tout bientôt vous tourner la vidéo sur le belette de novembre et décembre. Voilà, gros bisous à tous et pour ceux que je n'entends plus, je ne vois plus, je ne YouTube plus, on va dire, d'ici là, je vous souhaite déjà un très très joyeux Noël à tous. À bientôt!